Hey, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Ça y est, on y est, on est donc, on va entamer les profondeurs donc, de la tour de Kostelmark. Je vais pas vous faire un gameplay réellement commenté par rapport au cheminement. Vous verrez, de toute façon, vous allez suivre de salle en salle. On a déjà vu, si vous avez regardé ma première vidéo sur les préparatifs et la méthode éventuelle pour vous faciliter la tâche que je vous ai donnée. Je voulais juste vous refaire une introduction. Voilà, donc je vais vous montrer rapidement. Je repasse pas sur les équipements, vous les avez déjà vus. Avec le bonus de plat que j'ai pris, vous allez pouvoir voir que tous mes persos sont quasiment à 9999. Donc j'ai pris le... Je crois que c'est le ragoût des rois, ça vous donne 400 en bonus d'attaque et 2000 en HP, en points de vie. Du coup, ce que je voulais vous montrer, voilà. Donc avec son arme, Noctis est à 1392 au niveau des dégâts. Pour Gladio, on est à 1544, donc on dépasse les 1000, c'est ce que je vous disais. Ici, on est à 1198 avec les dagues de Zorin pour Ignis. Et peine de mort, on est à 1267 également pour Pronto. Au niveau de ce qu'on avait dit donc sur la magie, voilà mon... Donc vous voyez, j'ai 99 de mes magies partout. J'ai mon inventaire qui est full sur les potions et les super potions. Et là, vous allez pouvoir voir que j'ai donc une, deux, trois et quatre magies. Donc 4 fois 7 magies au max avec les becs de Zou, celles qu'on a vues donc dans l'explicatif. Et après, j'ai rempli mon inventaire de magie réparatrice, donc de magie de soins. Donc vous voyez, si vous regardez, hein, j'en ai... Une, deux, trois, enfin voilà, j'ai tout le reste, hein, j'ai 11, j'en ai 7 fois 7, donc j'ai 49 fois la possibilité de me soigner, sachant comme je vous disais, il y a les feux de camp. Je voulais vous montrer également le fait que c'est ma dernière mission de Final Fantasy XV. Quand vous regardez ça, vous voyez, si je finis, ça c'est la quête principale qui recommence à chaque fois, hein. Là, les profondeurs de Kostelmark, c'est la dernière quête principale que j'ai, après j'ai à rendre la quête à Esma pour avoir validé, et donc là ce sera sûrement la dernière vidéo sur Final Fantasy XV qu'on fera. J'en ai fait beaucoup sur ce jeu, voilà, c'est vrai que c'était un des jeux du moment. Écoutez, j'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas, encore une fois, si vous avez eu une autre méthode d'approche sur les profondeurs de Kostelmark, qui est vraiment, je dirais, à part le Pythios, qui est une vraie tannée en termes d'énigmes et d'habilité, sur vraiment un donjon de combat. C'est vrai que, vu que le soin est essentiellement basé sur l'inventaire dans Final Fantasy XV, c'est vrai que c'est vraiment très compliqué par rapport à ça. Vous avez vraiment de gros adversaires dedans. Voilà. Donc si vous avez une autre méthode, moi c'est la meilleure méthode que j'ai trouvée. Je vais vous montrer un peu comment j'ai fait. Regardez si vous êtes intéressé et que vous n'y arrivez pas. Vous verrez, il y a certains moments où je vais affronter des adversaires en faisant quelques changements d'accessoires, notamment par exemple si des adversaires ont des gros coups élémentaires, feu, ce genre de choses. À ce moment-là, n'hésitez pas à manger soit autre chose, soit à mettre d'autres accessoires. Ça va pouvoir vous sauver la mise. Je vous laisse profiter de la vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire. N'hésitez pas à me lâcher un petit commentaire. On se retrouve très vite pour plein d'autres vidéos. Allez, ciao, ciao. Ça oui. Allons-y. Ah!
En position. Je suis là. C'est... Quel côté? Je suis désolé. Laissez-moi faire. On bouge. Ok. C'est pas le moment. Utilise le mort. J'ai compris. Bien, quel est le magnifique. Wouhouhou ! On est vivant ! Et je sais ce qu'on va manger pour fêter ça ! Bon, on y va ? Ok. T'es foutu ! Regarde bien. C'est bon. Désolé. C'est super. Stop. Fini de rigoler. Adieu. Sans pitié. Ok. T'en as combien comme ça? Ah, c'est pas... Ah, on passe à l'action. Ouais, toujours en vie. Ça va? Ça pourrait être pire. Là. T'es foutu. Nacho, vas-y. Ça, tu vas te sortir facile. Bien vu, Nacho. Attends!
L'important, c'est qu'on soit vivant. C'est quoi cette horreur? Un truc redoutable, ça c'est clair. Celui-là a l'air costaud. Relever normalement. Désolé. Allez, ramasse ta fierté. Nacho, vas-y! Rien, tu vas te sentir passer! Bien vu, Nacho! Mince. C'est gentil.
passer. Et je sais ce qu'on va manger pour fêter ça! Remarquable. Nox! Tu vois ça comment? On a promis. Comme sur des roulettes. Ça y est, on y est. Je me sens sale et poisseux. C'est l'heure du bain. Ouais,
serre les rangs. Je suis là. Ok. Ça va pas être vite. Ne commets aucune imprudence. Elle est faite. T'as pas intérêt à rompre.
Tu survis ? Ça marche ! Ouais, toujours en vie. Qu'on était cuit. Rester en vie, ça me va parfaitement.
s'amuser. Bien, je coupe. Quel est le programme? T'as pas intérêt à mourir. L'échec n'est pas une option. T'es foutu. C'est pas possible. J'ai cru qu'on t'avait perdu. Ça va. On se regroupe. Je suis là. Merci. Merci. Je meurs de soif. Et moi, je meurs de faim. L'important, c'est qu'on soit vivant. C'est parti. Ok.
Traînez par ici. C'est toi qui t'inquiètes pour moi. Avec ton défaitisme. Oops.
Arrête de tourner les pouces. Désolé. Je le sens mal, ce bruit. Nacho, vas-y! Yeah!
Ah!